Cette exposition, c'était une commande un peu de la part d'Alain et de Marc. C'était de reprendre des couvertures de bandes dessinées et de faire des parodies de couvertures. Donc il y a une série de petits formats, une quinzaine de petits formats qui reprennent un peu des couvertures, enfin, ou des semblants de couvertures. Ensemble de d'Hergé, de Tintin, Mickey, Rahan, enfin, plein de personnages de bandes dessinées. Et les traiter à ma manière, en les détournant, les mélangeant. Et toujours avec cette technique de bois peint, de bois vissé, de collage. Et de faire un jeu, de faire quelque chose en trois dimensions assez ludique et assez coloré, lié à la bande dessinée. Il y a aussi une sculpture qui reprend vraiment un thème de la bande dessinée, la fusée de Tintin, et qui est totalement déstructurée, et qui est bricolée, qui est montée de façon incertaine, et qui est de travers, qui est vraiment un bricolage. C'est un peu ma façon de travailler pour ce genre de pièces. Mais l'ensemble était lié à la bande dessinée. Je travaille toujours en trois dimensions. C'est soit de la sculpture, soit des panneaux muraux, mais qui sont en trois dimensions toujours. Donc selon les tableaux, plus ou moins en relief, mais toujours en relief. Et c'est toujours du montage, c'est vissé, c'est collé. Tous les systèmes de montage sont apparents. Ce qui était marrant, c'était de se concentrer sur sur des couvertures. Donc il fallait reprendre absolument des choses existantes, que ce soit Mickey ou Bug Danny ou Tintin ou d'autres. Je me suis concentré. Le choix des sujets, là, c'était la bande dessinée. Et après, ce qui m'amuse, c'est de les mélanger. Donc c'était de mélanger Martine fait du camping avec des super-héros américains.